our world is fragile. I've been fortunate enough as an underwater photographer to see so many beautiful things, and that's what I capture with my imagery. I want to bring this to the people and show how beautiful life in the ocean is, how diverse it is. Everywhere you go into the ocean, you will find something unique, which you can only find there. The ever-increasing number of leisure motorboats is impacting the oceans, destroying the seabeds, and harming our lakes and our rivers everywhere. Le parc national des Calanques concentre une flottille de transport à passagers particulièrement importante. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que, à terme, cette flottille, elle soit sur un impact minime par rapport à l'espace naturel qui d'ailleurs fait vivre cette activité, pour aller vers un type de navigation qui soit le moins bruyant possible et qui ne génère soit pas de rejets, soit en tout cas des rejets qui soient considérablement réduits. There is an urgent need to become aware of this, and an urgent need to change the paradigm. Quand vous décidez de faire de la mer votre métier, et c'est mon cas en tant que capitaine, il est de votre devoir de préserver et de sensibiliser à cet écosystème qui est si riche et si fragile à la fois. Le constat est là, il est temps d'agir. Parler ou agir, moi j'ai choisi. Just like the protective and nurturing nymph of the Greek mythology, EPHYRA has set itself a challenge to develop the most sustainable and most ecological motorboat solution ever imagined. Growing up on our islands, I saw a change. I saw the consequences of global warming, the coral reef dying. And that's why I decided to act. I planted my first coral when I was 16 years old, and I never stopped. And today I'm fighting for our planet, for our future, for our oceans. We should switch to renewable and clean energies, on land and even more underwater. And it initially led to the creation of the very first hydrogen power boat in the world. C'est le moment de changer de modèle. Des bateaux propres, sans émissions, sans pollution, sans vibration, avec zéro impact sur l'écosystème marin comme sur l'écosystème humain. C'est le temps aujourd'hui de trouver des solutions. On a cette capacité de proposer un modèle qui réconcilie la mer, ses usages, avec l'ensemble de son environnement. So we developed a new powerboat concept using hydrogen propulsion, which was clean and quiet. L'idée était de pouvoir concevoir un bateau qui soit le moins impactant possible pour l'environnement, en alliant performance de navigation, préservation de l'environnement et une expérience utilisateur inédite avec le zéro émission, avec un S, je précise. An innovative technology leap and a real success as far as the boat was concerned. La principauté et le souverain, donc et notre président, fait de gros efforts et depuis longtemps est engagé pour cette éco-responsabilité. Et l'hydrogène me semble quelque chose de tangible, de raisonnable. Et puis on le voit aujourd'hui, vous en êtes la preuve, ça y est, on y est. Il y a deux ans en arrière, quand on a présenté le bateau, on n'imaginait pas qu'il y aurait une solution telle que celle-là, qui serait aussi rapide, qui serait présenté et commercialisé aussi rapidement. Nous sommes une région qui a plus d'une centaine de ports de plaisance. Je pense que c'est un signal fort d'un nouveau modèle qu'on veut proposer pour la plaisance. C'est vrai que visiter un site aussi exceptionnel que la Camargue ou les Calanques ou le parc de Port-Cros sur un bateau qui a réduit au maximum son impact sur l'environnement, ça a beaucoup de sens. Je pense que le yachting sera vert ou ne sera pas très rapidement parce qu'aujourd'hui, la population a besoin d'images exemplaires. L'hydrogène, c'est l'avenir. C'est la nouvelle génération, ces pionniers qui ont réussi la réindustrialisation du site. Everything seemed perfect, but we soon ran into cost, transport, storage and legislative constraints related to hydrogen. Avec The New Era, Innova a ouvert la voie, a montré que c'était possible. Concilier navigation agréable, plaisir de naviguer tout en respectant l'environnement, en s'appuyant sur cette propulsion électro-hydrogène. Mais au-delà des solutions, on s'est aperçu également qu'il y avait quelques difficultés qui émergeaient. S'approvisionner en hydrogène, avitailler les navires,
techniquement être capable d'appréhender ces sujets-là ont été autant de difficultés qu'il a fallu traiter et qui restent aujourd'hui sans solution. The yachting industry knows that hydrogen technology is ready. It's been demonstrated, it's mature, it's reliable. The question now we all face all the time is, how do I refuel? How do I get hydrogen? Everything could have. Everything should have stopped here. Nous avons vécu une expérience passionnante, enivrante, mais le constat était sans appel. Tout aurait dû s'arrêter là. But staying stuck here at a concept stage, however, was not even an option for us. So we thought we needed a complete sustainable navigation ecosystem designed with circular economy in mind. Efficient, secure, and self-sufficient. Cette expérience très enrichissante nous a permis de comprendre qu'il fallait réinventer les codes du nautisme et repartir d'une page blanche. We wanted it all. La prise de conscience, c'est le maître mot. Et c'est pour ça qu'EPHYRA a créé des bateaux zéro émission, des stations qui produisent sur site de l'hydrogène vert et des services associés exclusifs pour ses clients. C'est la nouvelle expérience de navigation. We wanted to combine eco-consciousness, eco-technology and a green energy transition. Aujourd'hui, on ne peut pas déplacer de l'hydrogène par camion sur la route. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment créer cet hydrogène sur place pour nos bateaux. On pense être arrivé à résoudre cette équation qui était très très complexe au départ. Et grâce à la technologie, grâce à l'équipe, grâce à tout le monde, je pense qu'on va arriver à sortir quelque chose de très fonctionnel et qui a vraiment sa place aujourd'hui. To create a new, ecologically neutral navigation mode through on-site green hydrogen production. Durch meinen beruflichen Werdegang bin ich schon seit über 30 Jahren mit Wasserstoff beschäftigt. Ich habe angefangen mit Ventiltechnik und Prüfstandstechnik für Ariane Espace. Die Technik, die wir hier sehen im Bereich Wasserstoff, ist schon seit 20, 30 Jahren in der Entwicklung und marktreif. Die großen Vorteile von Wasserstoff ist, dass vor Ort Energie produziert werden kann. Nach 30 Jahren Wasserstoffprojekten habe ich bei EPHYRA sofort erkannt, dass der globale Ansatz der einzige ist, der dazu führen wird, dass das zum Erfolg wird. And at the same time to offer a never seen before sailing experience with a new generation of powerboats. A few years ago nobody really cared, but today being more conscious of the impact of yachting on the environment, yachtsmen and women, and especially the younger generation, are all asking for solutions. They want zero emission navigation, silence, no impact on the environment and the biodiversity, and they want a new experience. And we created it as a whole ecosystem. Today, EPHYRA introduces the world's first sustainable navigation ecosystem as a complete, self-sustainable solution, including connected and energy neutral green hydrogen production with on-demand refueling stations, a new range of zero-emission powerboats that combine performance, autonomy, and design. All-inclusive maintenance and management programs. A club membership offering exclusive services and an international network with a presence in the world's most amazing locations. The all-inclusive EPHYRA stations are tailored to your needs and come in modules for 8 or 4 powerboats, and even a standalone version for private property owners. EPHYRA est précurseur. Nous avons développé une stratégie disruptive, forte de valeurs positives et d'un modèle économique vraiment durable. Welcome to a worldwide community of conscious sailors. Welcome to the Conscious Yachting Experience. Welcome to EPHYRA.